Salut tout le monde, c'est Taras, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Black Flag. Donc la dernière fois, eh bien, on avait secouru Barbe Noire, et au terme d'un magnifique combat contre un galion, eh bien, on doit aller le retrouver au bout d'un mois, jour pour jour, à Charleston pour choper des remèdes. Donc c'est ce qu'on va aller faire aujourd'hui. Par contre, je vois que j'ai un icône ici. C'est quoi ça? Sauver les pirates. Non. Alors, on va se rendre vers Barbe Noire. Alors, je me demande bien en un mois ce qu'il a pu nous faire. C'est quoi ça? Un petit schooner. C'est le schooner qui va me donner une quête, ouais. Faut pas que je roule dessus. Enfin, que je roule. Façon de parler. Le siège de Charleston. Ouais, Bonnet. T'as enfin ton propre pavillon? Oui. Oui, Barbe Noire m'a donné congé, hélas. Je vais devoir me débrouiller tout seul. Eh ben, c'est formidable. Oui, c'est pour le mieux, je pense. J'aurai sans doute des prouesses à raconter lorsque nous nous reverrons. Edward? Le plus grand trésor que j'ai trouvé sur ces mers est votre indéfectible amitié. Bien davantage que l'or, l'argent et le rhum, je chéris le courage que vous m'avez inspiré cette année. Merci, mon ami, et que la fortune ne cesse jamais de vous sourire. Mais c'est mon meilleur pote. Continue de m'idolâtrer comme ça. Alors, on le rejoint en pleine nuit dans des marécages. Vous êtes là au pays ? Êtes-vous oublié de vos femmes, de vos familles et de vos compatriotes ? Ah, j'ai cru qu'ils étaient pendus. Alors, comment expliquer le désintérêt complet des autorités pour vos vies ? Des otages contre des remèdes ? C'était ma seule demande ! J'attends 6 jours de ce foutu silence de mort. Je crois comprendre. Vous devez être les parias de Charleston, et je ferai encore mieux de me servir de vos viscères comme appât et de faire de la colle de vos sangs. Et je te postillonne à la gueule! Par le Christ! Surtout que je n'ai pas de brosse à dents. C'est pourtant, il a des dents bien blanches. Ou je vous tue, ou je vous plie à mon service. Une décision que je ne suis pas pressé de prendre, mais je n'aurai aucun remords. Oh, Edward, à quoi est-ce que tu joues, bon sang? Toute la ville peut voir cette farce. C'est l'intention. Hors de portée, mais bien visible. Alors, les remèdes sont où? Ils sont pas là. On a envoyé un groupe à terre négocier avec le gouverneur. Ça fait une semaine. Depuis, pas un mot. Je m'en charge. Donne-moi une journée. Un groupe, une semaine, moi seul, une journée. T'inquiète pas, Barbe Noire, je suis ton commando spécial. Il y a du mouvement là-bas. Ce sont des soldats? Ouais, ils ont l'air bien pressés. On ferait mieux de les suivre. Au cas où ils nous préparent à une surprise. En restant à distance. C'est mon Jack Doe, ça? Il a l'air plus petit qu'avant. Ouais. Que t'en penses? Barbe Noire est déjà là depuis 8 jours. Je suis prêt à parier que quelqu'un préparait les remèdes. Au cas où. Ah, il traîne Oups. Les pieds. Cherche. Pour passer là-dedans, bah oui, je vais être repéré. Trouvons l'endroit où il les garde. On aura notre chance. Bah oui, forcément, je suis con. Moi, suis la canonia, je la suis en plein dans la lumière.
On recommence, personne n'a rien vu. Il y a du mouvement là-bas. Ce sont des soldats? Ouais, ils ont l'air bien pressés. On ferait mieux de les suivre. Au cas où ils nous prépareraient une surprise. Oui, on va les suivre, mais en passant en loin. Qu'est-ce que t'en penses? L'arbre noir est déjà là depuis 8 jours. Tu es prêt à parier que quelqu'un préparait les remèdes? Ouais, il y a du brouillard. Ah, ils traînent les pieds. Ils cherchent un moyen pour pas payer. Oui. Trouvons l'endroit où ils les gardent. Et on aura notre chance. Ça va quand même vite, une canonnière. Attention, capitaine. On dérive vers une tour de guerre. Wop. Oh, logiquement, elle devrait pas venir jusque là. Elle doit passer par là-bas. Use de toile, déferle le tout. On réduit la toile. Voilà une autre tour de guet. Ouais. Elle va aller de l'autre côté. Non, oui, non. Je vais faire le tour par là. Fais déferler la grand-voile. Profitez de ce vent. 10 minutes, à risque des lumières. Ouais, rapprochez-vous de la cible, je veux bien. Use de toile, défaire le tour. Allez, allez, allez. On accélère, Jack Doe, on accélère. Pas en plein dans le machin. Alors, à côté de ça, si je vais dans la lumière, on me voit. Attention, on rive. Oh, ça va être juste, ça va être juste. Oh, ça passe. Ça passe, mais c'était juste. Claire toute la toile. Attention, on va toucher le bas. On va passer sans se faire repérer. Ouais. Je ne vois pas d'autre chemin. Il y a toujours un autre chemin. Arrêtez tout. Alors, on va aller neutraliser la cloche. Discrètement. De préférence. Genre en évitant de sauter dans l'eau pour faire un gros plouf. Hop. Hop. Allez-moi. Non, t'as rien vu, c'était une illusion. Ouais, c'est vraiment des Anglais, hein. Ils parlent bien anglais. Il vient par là, je comprends même pas comment il fait pour ne pas me voir. Bah t'as raison, mais tourne-moi le dos, t'as qu'à faire. Hop, personne n'a rien vu. Je retourne à mon bateau. Retourne donc à ta place de commande. C'est une magnifique mission de filature en bateau. Espérons que le fleuve reste aussi large. Bah puis profond aussi, selon ma vie, la coque elle touche. Si on s'échoue, on sera fait comme des rats. J'ai eu un bug, un petit retour Windows, j'espère que ce n'est rien. Faut pas qu'ils voient qu'on les suit. Ça prend au moins de vent. Maintiens le cap, capitaine. 10 minutes, à risque de lumière. Carguez jusqu'à la grand voile. Alors. Ah, ici ça pourrait être évident. Fais déferler la grand voile. Serre toute la toile. Donne un peu de toile. Je veux bien la suivre, mais là.
falloir que j'y aille à pied. Carguez tout. Comment ça détecter? Elle est pas très claire cette mission quand même. Ou alors je suis vraiment vraiment mauvais. Espérons surtout que je me fasse pas détecter. Si on s'échoue, on sera fait comme des rats. Si je peux pas aller par là. Là, je peux la suivre, c'est moi, je devrais pas me faire détecter. Plus de toile, défaire le tout. Faut pas qu'ils voient qu'on les suit. Bah non, c'est le principe d'une filature. Le cap, capitaine. Alors après ici, comment je fais? Carguez jusqu'à la grand voile. J'attends un petit peu. Il s'éloigne, capitaine. Le devoir continue seul. Voilà, bah oui, c'était pas lancé au coup d'avant. Je reviendrai. Avec Hiromède. Aïe, sir. Aïe, sir. D'accord, il y a des gardes là-bas, c'est bon, je les ai vus. Bon, on est passé sur la droite. Sur la droite encore. Encore. Estime-toi heureux que son navire soit toujours à l'ancre et qu'il n'ait pas dévasté Charleston. C'est un pirate, il faudrait. Comment ça détecter? En même temps, j'ai pas trop le choix, c'est vraiment le chemin que je dois prendre. Faut peut-être que je me cache à ce moment-là. C'est le petit moment parcours. Oh, il y a des crocos! Merde, je dis ça puis je tombe. Hop, voilà, moi je repousse un croco. Mais allez, grimpe là-dessus. Oh là là. Bon, du coup, j'ai pas le clignotement parce que la chaloupe, je peux la suivre quasiment en direct ici. Jusqu'au dernier. Qui va là? Deux caïmans qui cherchent de quoi dîner. Rainer, vieille canaille. C'est chaud ce soir, non? C'est pas le moment de parler du temps qu'il fait. Je suis pressé. Hop, ça s'est saboté. On attend le temps que tu comprennes. Alors, je ne comprends pas du tout où est-ce qu'il saute. Là, les phases de parcours, ici, c'est pas évident. Hein. La maniabilité, elle est pas terrible, terrible. Oh, je recommence depuis le début. Oh. Bon, allez, on va essayer de faire ça bien, en espérant qu'il n'y ait pas de soucis de maniabilité à nouveau.
toi, ce qu'on dit de Barbe Noire. Tu dis plus sort de ses têtes que de le temps. Mais pas dire qu'en personne, il a sûrement fait un pacte à lui. On va se planquer. Est-ce qu'il soit heureux que son navire soit toujours à l'ancre et qu'il n'ait pas dévasté Charleston? Ça devient pirate. Il faudrait leur donner une bonne leçon. Bah, on ira par les avoirs. Jusqu'au dernier. Mais non, vous ne m'aurez pas. Qui va là ? Deux caïmans qui cherchent de quoi dîner. Rainer, vieille canaille. C'est chaud ce soir, non ? C'est pas le moment de parler du temps qu'il fait. Je suis pressé. Et donc pareil que je te vois. Je commence à en avoir marre de cette vieille marquante. Je pensais qu'il faisait ça pour de l'or, au moins pour du rhum. Non, rien que dire mal pour soigner les maladies qui pullulent dans leur navire. Et ici le scorbut, c'est sûr. Ces bateaux pirates doivent être de vrais cercueils flottants. Bon, je peux passer ce coup-ci sans que personne me voie. Voilà, il y a tout un parcours à faire, je suis sûr. Hop, 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 hop. La nuit est calme, la nuit est calme. Stand still. Up you. Chut. Non, not raise the alarm. Tant mieux. Le capitaine Wyatt n'aime pas attendre. J'étais au bout, quoi. J'étais au bout. En même temps, j'ai pris le flingue et j'aurais pas dû faire ça. J'ai un peu paniqué. Oh, bah je recommence ici. Merci du point de sauvegarde. Pourtant j'ai rien fait de particulier, mais le feu a explosé. On va essayer de passer discrètement. On va saboter ça en passant. Hop, 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 hop. Des excuses, sir. Il y a eu un accident. Avec le première classe Simon. Un crocodile, sir. Je n'ai que faire de vos accidents. Quelles sont les nouvelles du port, soldat? J'écoute. Rien de neuf, sir. Ils sont toujours là. Whoop. Mais à ce qu'on a pu voir, eh bien, ils n'ont encore touché à aucun prisonnier. N'importe quoi. Peut-être venu de se rendre. On m'a confié la charge de la ville et je n'ai plus. Peut-être venu de se rendre. On m'a confié la charge de la ville et je n'ai pas l'intention de céder aux exigences d'un pirate, quelle que soit sa réputation. Oui, sir. Je détiendrai les clés du magasin. Personne ne touchera à ces remèdes. Que la peste et la calamité les emportent. On frappe vite. Qui es-tu? Les pirates! Je vois leur navire! Les pirates! Repliez-vous au manoir! Say hello! Stop! We're losing it! Call it dead to rights. Oh, tu ne t'échapperas pas comme ça, toi. Oh mais c'est qui cavale l'affreux.
Non, il m'a semé. Il m'a semé. Il a cavalé trop vite. Bon, de toute façon, là, si j'arrive à suivre le parcours, je pense que il se retrouvera tout seul dans son coin. Mais ils ont rien le temps de faire. Hop, et je cours et je le poignarde. Oh Dieu, sauvez-moi! Et foudroyez ces démons! Ah! Barbe Noire, t'as fait la meilleure offre qu'un homme ait jamais reçue d'un pirate. Tu peux maudire ses méthodes, mais il ne voulait que des remèdes. Et il va les avoir. T'aurais mieux fait l'accepter, mon gars. C'est un peu trop tard maintenant. Il est de retour, Capitaine. Ah, toi tu dois avoir le sang qui te descend au cerveau. Alors, Edward, deux caisses. Quoi préparer toutes les doses dont t'auras besoin. Ah, très bien pensé, petit. Par les temps qui courent, c'est rare. Vous entendez, Monsieur Rags? Mon jeune ami qui revient chargé de présents vient de sauver votre cou décharné. N'a-t-il pas droit à votre gratitude? On devrait quitter ces Osage. Le gouverneur va faire venir d'autres soldats. Non, vas-y, toi. J'ai une affaire à régler au nord. Tu t'en vas, c'est ça, hein? Tu nous abandonnes? Et Nassau? Écoute, petit. Je suis en train de boucler ma quatrième décennie. Et si je ne trouve pas le moyen de faire de la cinquième un voyage serein et tranquille, je préfère sombrer devant les portes de l'enfer que de continuer à me faire passer pour un capitaine. Allons, petit, on se reverra. Dans ce monde. Ou dans l'autre. Ou chez Neptune. Ah non, presque. L'idée était là. Voilà, et quelle idée! Les crocos, quoi. Les crocos dans la mission. Bon, bah, je crois que c'était notre dernière rencontre avec Barbe Noire. Hop, et un petit succès de débloqué. Magnifique. Voilà, et bien, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Oh, mais c'est pas fini! Je crois qu'Olivier veut qu'on prépare une bande-annonce à partir des images que tu as enregistrées ces dernières semaines. Prends ton temps, je te retrouve à l'ascenseur. Ah bah, on va aller retrouver... Retrouvons Mélanie. Quoique non, j'ai l'impression que ça va m'emmener un petit peu trop loin. Je vais m'en arrêter là pour cette vidéo. On va rester dans le monde des pirates et on fera la partie réelle la prochaine fois. Donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao tout le monde.